qu'à vous dans le cadre de l'agenda transformation agricole où nous nous sommes réunis à Kalambo pour la mise en place du premier groupe des moniteurs agricoles qui constitue une étape importante dans l'agenda de transformation agricole en ceci que les moniteurs agricoles sont comme l'armée qui va nous permettre de réaliser la révolution verte. Mais voilà que depuis 3 mois, nous avons eu, grâce à la plaidoirie de la Première Dame, la reprise des travaux de réhabilitation de la RN2, particulièrement la tronçon entre l'aéroport de Kavumu et Bukavu. Et donc, profitant de cette mission dans le cadre de l'agenda de transformation agricole, et puisque ce projet faisait partie des projets pour lesquels j'avais été mandaté pour assurer le suivi, je suis venu sur le terrain pour me rendre compte de l'effectivité des travaux. Oui, nous recevons des rapports au quotidien de la part de l'entrepreneur, de la part de l'office de route et de l'OVD, mais nous avons voulu, à cette occasion, avoir la possibilité de voir de nos propres yeux et de pouvoir apprécier la qualité des travaux et demander aux amis de l'office de route, de l'OVD, ainsi que les utilisateurs, s'ils ont le sentiment qu'au moins cette fois, la route qui est en train d'être construite est dans les normes et qu'elle pourra servir la population. Les travaux sont en cours, il y a une bonne progression des travaux. Nous voyons très bien qu'il y a des tronçons sur lesquels les travaux ont été complètement finalisés. Il y en a d'autres qui sont en cours. Ici, par exemple, nous sommes au niveau du pont Murungu, où nous voyons très bien que l'entrepreneur a réalisé un pont de déviation pour permettre à ce que nous puissions construire ce pont, le pont de Murungu, qui a commis beaucoup de dégâts dans cette ville de Bukavu. Tout le monde se plaignait qu'il y avait beaucoup d'inondations à cet endroit et il fallait impérativement casser l'ancien pont qui avait été construit et réaliser un pont qui soit un peu plus en hauteur de manière à assurer que l'eau puisse atteindre le lac sans pour autant causer des inondations. Et donc, comme vous pouvez le voir, quand je regarde le gabarit du pont, nous avons été dans le bas-fond pour constater les fondations. Nous sommes à peu près à 7 mètres depuis la base jusqu'au niveau de la hauteur. Okay. Et nous avons avec nous les ingénieurs de l'office de route, de l'OVD, qui sont là. Je les ai pris avec moi parce que je veux qu'eux, ils puissent également... C'est eux qui suivent le chantier au quotidien. Et donc, ils doivent pouvoir dire à l'opinion quel est leur sentiment. Et donc, je commencerai par notre ami de l'office de route. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce pont de Murungu que vous êtes en train de construire en ce moment avec ce coq? Oui, oui. Ce que moi je peux dire, on a vraiment un sentiment. Pourquoi? Parce que ici à Murungu, tout le monde qui vit ici dans la ville de Bukavu, il sait très bien comment est-ce que les inondations faisaient du mal même à la population pour pouvoir effectuer les trafics d'une façon paisible. Alors, les travaux qu'on est en train de réaliser par l'entreprise et son coq, vraiment, ça vient pour soulager la population et puis ça va beaucoup plus éviter les inondations. Très bien. Alors, à nos amis de l'OVD, j'aimerais que ici vous puissiez nous répondre sur le respect des critères prévus dans le cahier de charge. Est-ce que de vos yeux, vous avez vu Sokok scarifier l'ancienne couche de roulement qui avait sur cette chaussée qui avait été à l'époque réalisée par les Chinois? Est-ce que vous avez vu de vos yeux? Très bien. Est-ce que vous avez vu de vos yeux et mesuré le gabarit des canaux qui sont en train d'être réalisés? Bien sûr, il y a même des gabarits qui sont là. Ça respecte au moins la dimension prévue pour faciliter le roulement des eaux. Est-ce que chaque 50 mètres, vous constatez de vos yeux les traversées vers le lac? Bien sûr, il y a de prolongement des traversées vers le lac, parce que les traversées qui existaient n'étaient pas vraiment suffisantes, raison pour laquelle les cahiers de charges prévoyaient le prolongement. À chaque 50 mètres, comme vous venez de dire, là où il y a une traversée, et nous sommes en train de faire pression pour que ça se passe bien. Mais en l'air, si nous faisons même une descente, vous allez remarquer que toutes les traversées sont complètement allongées. Alors, est-ce que de vos yeux, vous vous rendez compte, au moment où ils sont en train de travailler, qu'on observe effectivement une couche de fondation de 20 cm?
bon, pour préciser que nous observons une couche de 20 cm, là je peux dire que je vais vous montrer. Parce que ça dépend des gabarits avec le parois qu'on a rehaussé. Il y a des endroits où on est en train d'aller au-delà de 20 cm. Donc, moi je ne peux pas vous dire que nous sommes en train de respecter le 20 cm. Là. Ok, et qu'en est-il alors de la couche de base qui doit être de 15 cm et finalement la compaction et la vérification de la compaction aux différentes étapes. Si je m'adresse à l'office de rue, est-ce que vous vous assurez vous-même que quand il termine la couche de fondation, n'est-ce pas, que la compaction a été faite correctement, quand ils emmènent la couche de base, encore une fois, que la compaction a été faite, est-ce qu'il y a des certificats que vous délivrez pour autoriser à ce qu'on puisse passer à la couche de roulement? Mais certainement, il y a un laboratoire de l'office de rue qui est permanent sur le guide. À chaque fois qu'ils sont en train de poser les couches, il y a les essais qu'on appelle les essais de compacité pour vérifier si vous avez des dégâts. Donc avant de passer à une autre couche, on vérifie cette compacité. Lorsque la compacité est atteinte, c'est alors que vous pouvez pouvoir aller dans une autre couche. Bon, je crois qu'on a fait l'exercice avec l'office de route et l'OVD. Rappelons que les travaux sur la RN2 sont réalisés dans le cadre de la poursuite des travaux prévus dans le programme des 100 jours du chef de l'État. Il vous souviendra que dans le cadre de ce projet, il était prévu de réaliser 20 km de voirie pour la ville de Bukavu et 12,5 pour la ville de Goma. Et dans les 20 km de la ville de Bukavu, il y avait à peu près 7 km qui devaient couvrir le tronçon de la RN2 depuis l'aéroport jusque au centre-ville de Bukavu. Aujourd'hui, les travaux sont bien avancés. Nous avons nos collègues de l'office de route et de l'OVD qui sont en train de suivre les travaux. Ils semblent être satisfaits. Vous aurez certainement l'occasion de poser la question aux usagers de la route, les chauffeurs, les villages, la population de Bukavu. Quel est leur sentiment, quelle est leur appréciation des travaux qui sont en train de se réaliser en ce moment sur cette route, la RN2. Tout ce que nous pouvons dire, c'est merci à la première dame, merci au chef de l'État et merci finalement à tous ceux qui participent ou aident à ce que nous puissions avoir ces travaux réalisés dans les conditions. Non, la question du délai, je ne suis pas d'accord. Je sais que j'ai tout à l'heure reçu de responsables de Sokok qui ont mentionné que les fondations en cours, ou bien les caniveaux en cours, ils vont le terminer à la fin de ce mois et qu'ils pensent terminer d'ici la fin du mois de février. Nous leur avons dit que ce n'est pas ce qui était prévu. Nous attendons donc que la population de Bukavu puisse fêter la fin de l'année, la bonne année ici, avec ces routes et ces travaux terminés. Donc ils vont revoir leur planning pour pouvoir nous faire des conventions qui nous permettent d'approcher la fin des travaux pour la fin de l'année. Donc on espère que d'ici la fin de l'année, en tout cas pour ce qui est de la RN2, nous aurons terminé et que éventuellement l'un ou l'autre tronçon du centre-ville de Bukavu, notamment le quartier Mumba, aura été entamé. Mais ce qui est sûr, c'est que nous allons réaliser ces travaux jusqu'au bout. Nous avons reçu l'instruction de la haute marche. On est là pour s'assurer. Dans ma démarche, à qui m'ont dit Lissou, Nicolé à Lissou. Donc au-delà des rapports que nous recevons, n'est-ce pas, des prestataires, à chaque fois que nous avons l'occasion de descendre sur le terrain, nous avons l'instruction du chef de l'État d'aller voir de nos propres yeux. Kimonamesso. Ça, c'est que nous appelons à Kinshasa Kimonamesso. Et quand nous voyons comme ça, nous avons la certitude que à la fin des travaux, nous n'aurons pas des surprises. Plutôt que d'attendre à Kinshasa et finalement de recevoir la population qui se plaint ou bien d'avoir des cas de fissures et autres choses. Voilà. Okay. Thank you.
est terminée, des fondations. Donc la couche de fondation qui est terminée et on attend de mettre la couche de fondation. De 5 cm de boudron. Et donc ça nous fait 40 cm sur l'ancienne plateforme sur laquelle ils ont été calculés. Et chaque 50 mètres, il y a une évacuation qui emmène nous vers le lac. Et donc ici, il faudra pouvoir ressortir sur 2-3 endroits, n'est-ce pas, comment ce travail qui a été fait de bout en bout. Ça va ? Parce que ça, c'est important pour que la population, je dirais, se rende compte de l'effort qui a été fourni pour qu'ils puissent avoir une route en bon état et que désormais la connexion de l'aéroport de Kavumu vers le centre-ville de Bukavu ne pose plus de problème, mais également permettre à ce que ceux qui partent à Kabaré ou vers Minova puissent voyager dans des conditions acceptables. Ça va ? Il y a les maçons de l'autre. Très bien. On va vers les ponts. Donc la question, nous sommes concentrés sur la partie chaussée. Quand c'est fini, nous sommes d'accord. À la fin de ce mois, on travaille au niveau des parois. À la fin de ce mois, vous aurez terminé la partie chaussée, la partie chaussée des caniveaux. Oui. Et directement, on entend. Non. Mais lorsque vous terminez, à supposer que vous terminez le 30 octobre, en combien de temps vous allez assurer la couche de fondation, la couche de base et l'enrobé sur l'ensemble du tronçon? Ici, la pluie ne nous dérange pas. On compte terminer en février. Terminer tout 6 km. Oui. Mais c'est loin. C'est pas loin. Parce que le matériau vient de Nyangé. Nyangé, ici, c'est plus de 40.
avez déjà réalisé combien de kilomètres de caniveau? On approche les 4 et les 6 de 5. Le sable ne s'empêche que vous ne pouvez pas terminer les caniveaux à la fin du mois d'octobre. Non, ça fait déjà 3 mois que vous êtes en train de travailler et vous dire que c'est un livret que vous avez gardé.